Ce matin, Hiti FM s'est rendu à la conférence de presse de la seule représentante de Polynésie au lancement de la nouvelle saison de The Voice Kids et a eu le plaisir d'interviewer Noémie Thibault, alias Noémie Tahiti, au sujet de sa participation à cette saison The Voice Kids. C'est un rêve pour tous les enfants. Et ben moi, c'était aussi le mien et j'ai eu la chance de pouvoir le réaliser. Qu'est-ce qui t'a poussée à chanter ? Bah avant, comme tout le monde, je chantais dans ma salle de bain, à mon avis. Puis, j'ai vu un concours et j'ai eu envie d'y participer. C'était le Kids Talent Show et je l'ai gagné. Donc, ça m'a donné envie de continuer. Et voilà maintenant où j'en suis. Donc, je suis super contente. Comment s'est passée ta préparation aux auditions à l'aveugle ? Bah au début, pour moi, j'avais pas trop peur. J'étais pas stressée, mais c'est que quand tu montes sur scène qu'après t'es carrément stressée. Moi, je sentais plus mes jambes et tout. C'était une des premières fois où j'étais vraiment stressée. À côté de The Voice Kids, as-tu d'autres projets musicaux ? Alors, j'ai sorti un single qui s'appelle Rendez-vous. C'est mon papa et ma maman qui l'ont écrite et composée il y a 15 ans et ça parle de leur rencontre en colocation. Quel conseil donnerais-tu à nos auditeurs et internautes ? Si vous avez un rêve, faites tout pour le réaliser. Faut essayer, c'est pas grave si ça marche pas. Noémie, nous arrivons au terme de cette interview, je te laisse le dernier mot. Rendez-vous ce soir sur TNTV pour suivre mes aventures de The Voice Kids à 19h30. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook et YouTube, c'est Noémie Tahiti.